Ça, il regarde le ballon. Bien, sur terre. Moi, je reste professionnel. Je sais que les autres, ils sont pas chauds, mais je vais vous expliquer. Là, ta gueule. On est à Marseille pour 24 heures. Pour retourner Marseille et foutre le zbeul. Bon, on y va alors. Allez. Allez. Là, je suis chaud aujourd'hui. Là. T'es pas dans le match, toi, encore. Là. Tu rigoles trop, fou, toi. T'es fou. Toi, t'es trop venu à la rigolade, toi. Tiens, je vais te mettre un petit point. Comme Dorian. Si on met 20 buts, on met 20 buts. Exactement. Je m'en bats pas les couilles s'ils ont gagné un concours. Et comme Dorian, hein, si on sort du banc, on sort du banc. On sort du banc, on est chaud. Je prends la température, moi, là. Ok, donc là on vient d'arriver devant l'hôtel. On est accueilli par les gens d'Orange et par les gagnants du concours Le 12ème homme qui vont jouer avec nous le match de 5. Donc comme disait Kazel, est en train de jauger les adversaires pour voir si on a des concurrents sérieux ou pas. On sait pas en fait. Vous jouez plus maintenant, vous êtes en Ligue 1. Non, moi je suis coaché en fait. Tu continues ? Je crois que je suis aussi. Je joue à Venel, c'est pas connu, mais c'est un DH. Ok, ça joue, ouais. Ouais, ouais, ça joue. Okay. Ah oui, donc c'est bon. Et après tous les lundis avec notre école, on a le championnat universitaire où on joue le lundi. Et c'est en 5 ou c'est en 11 ? C'est en 11. Ah, c'est vrai, tu recommences pas. Tu joues au foot en fait. Ah, mais on s'est joué au foot, ça, on n'est pas des. Non, mais. Les mecs. Nous, on est des imposteurs. Ah ouais. La tenue de boule est. Il va se péter le genou. C'est quoi lui? Moi je disais Alric. Pas mal. On va où là? Moi je sais pas, moi je vais où on va, moi. Voilà la guerre, dans tous les cas, les gars, j'ai pas parlé. Et ça joue au fond. Five Five Puma. J'ai parlé avec un petit terrain, il m'a dit. Pas leur être à fond. On va jouer en losange. Moi je suis en défenseur central, lui à gauche, toi à droite et lui en pointe. Okay. Donc vous deux faites des allers-retours, vous les taffez en 1v1 si vous pouvez. Sinon, si vous n'avez pas d'opportunité pour dribbler, on joue en une touche. Une touche, Barça, une touche, une touche, une touche. Par contre, dès que vous avez un espace, vous y allez en 1v1. Yes sir, yes sir. Et par contre, il faut jouer regroupé, c'est-à-dire on va pas presser comme des ouf là-bas. On les a dans notre moitié de terrain. Et par contre, quand ils rentrent dans notre moitié de terrain, là on presse de ouf. Surtout, et après, dès qu'on récupère la balle, au début, quoi. Moi j'ai une technique au que je fais, moi normalement, souvent, mais devant, parce que je presse chaque coup d'envoi, je presse sur le ballon, ça va vite. Quand tu presses le ballon vite, il perd la balle très rapidement. Tu vois. Tu veux essayer devant? Pas tout de suite, on commence à se dire. Non, non, justement, je pense que Alric, le but, c'est l'impact physique. Il les dérange de niquer. Nous, on va construire, gros. Alric, il va les harceler. Je touche pas la balle, mais la Giroud. Là, tu les harcèles comme ça, nous. Alric, c'est Giroud, en fait. Genre, il est pas très talentueux, pas très technique. Ça joue au ballon, c'est-à-dire, je pense que techniquement, ils sont bien, faut faire attention à pas manger leurs crampes, à pas manger leur fin de frappe. Tu vois, faut faire attention. Parce qu'on connaît ce genre de joueur. Faut être bien placé, et comme d'hab, gros. T'as 3 jawats devant toi, tu vois ce que je veux dire. Faut être bien placé, et si on voit qu'il commence à. Bon, même si on commence à dominer, on reste dans un état d'esprit où on prend tout. On va pas. Non mais. Regarde. Est-ce que tu vois un sac ici? Est-ce que tu vois un sac? Tu vois que ça, gros? Ouais, carrément. Rien d'autre. Et ils vont pas le voir. Regarde eux, ils verront 8 sacs, ils ont des carnets d'analyse, ils ont tout. Il se passe quoi? Rien, je que ça. Mais non, parle pas avant. Bah, je peux en parler, frère, j'ai juste dit. Elles ont vécu celle-là. Donc. Non, faut pas parler. Ah ouais, Marseille, c'est pas. Ils font les choses en grand à Marseille. C'est pas des blagueurs, c'est pas des joueurs du dimanche, c'est des mecs de centre de formation, minimum DH, ça va très très bien jouer au foot, et nous ça va très très bien jouer au foot aussi, donc ça va être un super duel. C'est parti les gros. Oh
on vient de gagner notre match, le score est là. On est arrivé en touriste en mode on va jouer un 5 cool, eux ils sont arrivés, ils avaient des dégaines de footballeurs, on va pas se mentir. Ils nous ont dit moi je joue en DH, moi je suis en centre de formation, moi je suis à Lens, moi je suis en équipe de France, moi j'ai joué avec machin. Ok d'accord, on va se concentrer sérieusement, on va jouer sérieux. Et on a fait du très très sale. Il y en a un qui faisait de la pétanque avant le match. J'ai fait ma préparation physique à la pétanque, je suis nouveau dans l'équipe, le mercato d'hiver. On l'a signé direct. Une équipe, après, une équipe en place, ça, une équipe en place. Direct. Voilà, j'ai pas encore mes marques complètement, mais bon ça va se faire, donc on se verra au prochain match. Suis-moi, je te montre. Vas-y. Donc là t'as un renfoncement. Il est en mode recherche appartement maison. Voilà. Alors, vous voyez que c'est un. Voilà. Bonsoir monsieur, je peux voir le pass. Là on va sur la terrasse. Bonsoir monsieur, je peux voir le pass. Merci. Ah ouais, merci. Ah ouais, eux ils ont pas attendu hein. Ils ont pas le temps. Après c'est ton moment. Tu peux faire 20 mètres. Ah là c'est quelque chose hein. Les gars on a un vrai dilemme. Deux choix s'offrent à nous. Un, on reste ici bien sagement, on fait des petites vidéos, on regarde les joueurs, tout se passe bien, on est réinvité par Orange. Deux, je rentre sur le terrain, je prends un ballon, je mets un petit pont à Sakai et une Lucana Mandanda. Donc c'est viré, on ne se fait plus jamais inviter. À vous de choisir, votez, et vous choisissez. Et comme en fait la vidéo elle sortira et vous ne pourrez pas choisir, donc voilà, je vais décider à votre place. Ouais. On risque de rien faire, potentiellement. C'est du 50-50 pour l'instant. En fait, Mandanda, il est pas là. Il arrive, il arrive. Ça se fait des goals à bord, tu sais. Normal. Ça j'aime. Ah ouais. Alors là, homme du cadeau match. Incroyable, je suis surpris. Homme du match. Mais je m'attendais pas du tout à un tel honneur. Orange nous fait un cadeau de ouf pour fêter notre première au Vélodrome, le maillot de l'OM dédicacé par toute l'équipe. C'est un truc de malade. Et la film les regardait jaloux là. Et je te jure, même les films les regardait deux là. Ah, n'est pas jaloux, il le mérite amplement. Et tu sais quoi, et en vrai, si vous avez. En vrai, s'ils avaient gagné cet après-midi, peut-être qu'on leur aurait donné. Non, même pas. On aurait eu le seum, on le regardait quand même. Après dire. Eh, il est beau. Tu sais que je l'ai fait avec celle-là. Je sais pas, vous avez déjà vu la vidéo où le mec où il fait ça et d'un coup il se barre en courant. Mais je l'ai fait attends, je l'ai fait où frère celle-là? Mais ça a pas marché frère, ils sont battés les couilles. Il m'a regardé comme ça, je suis revenu quand même. Pour les croqueurs de ballon, on vient de vous faire découvrir notre expérience de 24 heures à Marseille où c'est passé à 100 à l'heure. La journée elle était dense de ouf. On a joué au foot, on a fait du sale, on a regardé du foot, bah ils ont fait du sale. Et là on a kiffé, on était archi bien, on va pas se plaindre. Hein, c'était. Voilà, je suis en train de regarder devant moi les sièges avec nos blazes. On a été extrêmement bien reçus dans le magnifique Orange Vélodrome qui est derrière moi, vous savez, je suis professionnel, pour le truc jusqu'au bout. Et merci à la team, KZ, yes, Julien, Alric derrière la cam, et merci évidemment au frérot Brahim qui nous a fait ultra plaisir d'être avec nous. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, ça m'a fait grave plaisir de roder avec lui. Bon délire, très très bon foot, ça vous le verrez dans la vidéo, vous l'avez peut-être même déjà vu puisque c'est la fin de la vidéo. Mais c'était archi cool. Donc voilà, merci à tous, merci à Orange
pour l'invitation, on a kiffé. Voilà, j'ai encore le smile, on a kiffé de ouf. Et à très vite. Il rigole toujours enfin. Et attends, on refait la même en story vite fait. Allez, ouais, vas-y. Mais vas-y toi.